Nouvelle vidéo sur la théorie des graphes, nous allons définir ce qu'est la matrice d'adjacence d'un graphe. L'idée de faire un pont entre la théorie des graphes et tout le chapitre sur les matrices, qui a déjà été travaillé normalement, il existe une série de vidéos sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va représenter un graphe, mettons d'ordre n, dont les sommets vont être numérotés de 1 à n, et ce qu'on va appeler la matrice d'adjacence de ce graphique, eh bien ça va être égal à la matrice carrée, de dimension nn, donc le nombre de sommets de mon graphe, où chaque coefficient m, i, j, où i est le numéro de la ligne et j le numéro de la colonne, va être égal au nombre d'arêtes des extrémités qui relient les sommets i et j. C'est un petit peu compliqué quand on fait un cas général avec n, i et j, mais vous allez voir que dans les cas concrets, ça va être très simple. On va donc se donner un exemple ici avec un graphe g de sommets avec quatre sommets, A, B, C, D. Et pour construire le tableau avec le, on va construire. Et pour déterminer la matrice d'adjacence, on va d'abord construire un tableau avec le nombre d'arêtes entre chaque sommet. Donc, on construit un tableau A, B, C, D, A, B, C, D, mes quatre sommets. Entre A et A, eh bien, il y a 0. On va donc se donner un exemple, voici un graphe avec 4 sommets ABCD, et pour déterminer sa matrice d'adjacence, on va d'abord construire un tableau qui va déterminer le nombre d'arêtes qui relient chaque sommet. Donc on fait un tableau 4-4, ABCD, ABCD, et on va compter. Donc, quel est le nombre de sommets qui relie A à A? Eh bien clairement ici, il y en a 0. Quel est le nombre d'arêtes qui relie A à A? Il y en a 0. Quel est le nombre d'arêtes qui relie A à B? Bien, A à B. Il y a une arête qui relie A à B. Donc ici, on peut marquer un 1 et on se rend compte que la matrice est forcément symétrique, puisqu'il y a une arête qui relie B à A. Quel est le nombre d'arêtes qui relie A à C? Il y a donc une arête qui relie A à C. Donc, on peut rajouter 1 ici. Et évidemment, si vous avez compris, comme elle est symétrique, de C à A. Il n'y a aucune arête qui relie A à D. Donc ici, c'est un 0. Et donc, 0. Et on continue comme ça. Le nombre d'arêtes qui relie B à B est aussi égal à 0. Si on a compris, la diagonale est forcément nulle. Complètement. Le nombre d'arêtes qui relie B à C est donc de 1, et donc de C à B est donc de 1. Le nombre d'arêtes qui relie C à D est de 1, et donc de D à C est de 1. Et le nombre d'arêtes qui relie B à D est 0, et donc forcément de D à B est 0. Une fois qu'on a rempli ce tableau-là, eh bien il n'y a plus qu'à le transposer complètement à le réécrire pour avoir exactement la matrice d'adjacence M. Ce qui nous donne ceci, et donc on a bien définit la matrice en question. Dans le cas d'un graphe orienté, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, eh bien, le coefficient m et j va être égal au nombre d'arcs ayant pour origine le sommet i et l'extrémité finale j. On ne sera donc plus alors nécessairement dans une matrice symétrique. Voici donc précisément un deuxième exemple avec un graphe orienté. Voici le graphe G. Et on voit bien que les arêtes ont donc des arcs. On voit donc qu'il y a des arcs qui relient les sommets et non plus des arêtes. On construit donc le tableau exactement de la même façon.
et on va compter le nombre d'arêtes, le nombre d'arcs ayant pour origine un sommet qui rejoint un autre. On voit qu'il y a une boucle qui va de A vers A. Il y a donc ici une arête qui relie A à A. Le nombre d'arêtes qui relie A à B, le nombre d'arcs, attention, il n'y en a qu'un seul dans ce sens-là, une qui va de A à B. Combien de A à C? Il y en a 0, puisque on voit bien qu'avec la flèche, elle va de C à A. Donc on peut compléter de C à A, il y aura un 1 ici. On continue comme ça, donc on est à 0 de A à C, de A à D, il y en a 0. En fait, il faut procéder avec méthode tranquillement. De B pour aller à A, il y en a 1. De B pour aller à B, il y en a 0. Il n'y a pas de boucle qui retourne sur B. De B pour aller à C, il y en a 0. De B pour aller à D, il y en a 0. De C pour aller à B, il y en a 1. De C pour aller à C, on est à 0. Et de C pour aller à D, on est à 0, puisque on est en sens contraire. De D pour aller à A, on est à 0. De D pour aller à B, on est à 0. De D pour aller à C, on a celle-ci, on en a une. Et enfin, de D pour aller à D, on est à 0. Une fois qu'on a rempli ce tableau, qui peut se faire au brouillon, on n'a plus comme tout à l'heure qu'à compléter pour avoir la matrice d'adjacence. Et voilà donc ce qu'on obtient pour la matrice M. De petites remarques, la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier exemple, on avait déjà parlé. Et enfin, la diagonale de la matrice d'adjacence d'un graphe simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle qui revienne sur elle-même, eh bien, ne comporte que des zéros dans sa diagonale.